Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur GTA V. Et aujourd'hui on se retrouve avec Michael qui... Oh, qui se fait poursuivre. C'est magnifique. Et justement, on venait de finir une petite mission avec notre ami Solomon Richards. On venait de lui renégocier le contrat de son nouvel acteur, assez pourri d'ailleurs, hein, en faisant des petits tours d'hélico. Donc si vous avez raté des épisodes, de toute façon ils seront dans la playlist sur ma chaîne, une playlist qui marche plutôt bien puisque vous êtes nombreux à aller la voir et vous êtes nombreux à regarder les épisodes, et je vous en remercie. Donc voilà, en tout cas, si vous avez oublié des épisodes, si vous voulez regarder la série depuis le début, c'est encore possible et ça le sera normalement tout le long de la chaîne, hein, et puis même encore après. Donc voilà, on se retrouve et puis on va tout de suite se diriger avec Michael vers la mission de Devin Weston. Normalement, j'espère pas de bug de moi HDPVR, parce que je tourne le soir et dès que les lumières sont... Enfin, dès qu'il y a une coupure avec la lumière ou quelque chose comme ça, mon HDPVR saute pendant quelques secondes et c'est assez problématique après. Donc j'espère que personne ne s'amusera avec les lumières pendant cette petite demi-heure de vidéo. Enfin, elle devrait être courte, hein, cette vidéo. En tout cas, je pense... Allez, tu cours peut-être, non? Enfin, je pense faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, je vais pas m'attarder vers les 25 minutes, mais faire vraiment du 20 minutes. You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. Ah ouais? So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora freeway. Sounds manageable. Hey, fais du yoga, l'autre, pense là. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Bugatti, tranquille. J'aurais bien voulu la prendre. Hein. Enfin bon, montez dans la voiture. De toute façon, on est obligé, on n'a pas le choix. Allez à la station service, et bah écoutez, c'est parti. Donc voilà, par contre, on va tout de suite changer de radio au cas où il y a des droits d'auteur. Ça me permettra de vous payer du matériel, même si c'est pas beaucoup pour un épisode. Hein. On va croire. Voilà, c'est pour ça. Et puis à chaque fois, je peux vous payer du matériel. Normalement, je devrais très bientôt le faire. Enfin, vous payer du matériel. Le payer pour moi, mais pour que les vidéos soient meilleures, hein, évidemment. De toute façon, je l'avais déjà dit, et puis je le redis généralement dans tous les épisodes de GTA 5. Faudrait que j'arrête d'ailleurs avec ça, parce que je vous bassine avec des choses qui vous intéressent pas. Donc voilà, donc là je reviens d'un petit tournage du meilleur 11, on a un petit peu tourné. On vous a fait quelques petites équipes, dont une que vous aviez demandé. Parce que oui, vous pouvez nous demander vos équipes, et normalement on a prévu pour toute la saison, mais vos choix peuvent avoir un impact. Donc s'il y en a qui nous disent, ah bah tiens, j'ai envie que tu fasses l'OM, on va peut-être faire l'OM un peu plus vite, plus vite qu'on l'avait prévu, donc ça veut dire que l'OM va faire passer devant certains clubs qui seront peut-être plus importants. Donc voilà, vous êtes un petit peu vous avez un petit peu un impact sur ce que vous dites et sur la série. Ça permet de choisir que vous choisissiez vos épisodes, etc. Et bah, comme ça, ça peut faire plaisir à certains. Bon, tant mieux, écoutez. Hein. Donc c'est pour ça, aller voir le meilleur 11. De toute façon, la série a eu plutôt pas mal de succès. Je suis d'ailleurs assez content, je suis assez étonné. Parce que, bon, après, c'est vrai que le meilleur 11 qu'on faisait sur Video Gaming QG avait pas autant de succès, mais en même temps, c'est un peu normal puisque sur Video Gaming QG, vous étiez pas aussi nombreux. Vous étiez, il me semble, quand on a commencé le meilleur 11, on devait être 50, même pas. Non, on était 30 quand on a commencé le meilleur 11. Bon, là, on est à peu près une petite centaine. Donc, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, on sort des vidéos sur le meilleur 11 qui sont plutôt bien. Oh. How about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, bien. We were just getting out of here anyway. Ah, je me rappelle de cette mission. Elle était bien, franchement. Faites la course contre les deux pilotes. En gros, faut les suivre, hein, puisqu'on n'a pas de points de... Pas de points spéciaux. Donc voilà. Enfin bon, donc voilà, vous avez un petit impact sur la série. Puis la série qui a bien démarré, du coup. Il y a environ minimum 300 vues par épisode. C'est plutôt pas mal pour une série de FIFA. Bon, après, je sais que vous aimez le FIFA, et comme c'est nouveau, bah, forcément ça marche bien. Enfin bon, pour l'instant, on a fait les équipes du... En fait, le but de cette série, pour ceux qui se demandent,
c'est de faire certaines équipes, etc. Les meilleures équipes du monde. On prend les meilleures équipes, Pedro et moi. Donc à chaque fois, on prend les mêmes pour les affronter et on fait les compos, les meilleurs compos possibles pour que ça soit des machines de guerre, ces équipes, qu'elles soient quasiment imbattables. Et comme ça, vous pouvez les utiliser. C'est toujours assez sympa. Donc voilà, il y a aussi la compétence spéciale de Franklin que j'allais oublier. Enfin, si elle m'est utile à un moment. Donc voilà, en gros, globalement, on fait des équipes comme ça pour vous aider, à la limite, pour ceux qui ont du mal avec les équipes. Voilà, globalement, ça peut être pour vous aider ou des choses comme ça. C'est toujours sympa. Enfin, moi, je trouve, et le concept avait été pas mal quand on l'avait trouvé. Et ça avait bien marché, d'ailleurs, ce vidéo game QG. Certaines vidéos avaient atteint les 100 vues, quasiment 200, donc c'était plutôt pas mal hein, pour une série comme ça. Donc voilà, si vous connaissez pas la série, allez la voir, c'est toujours sympa. Pour l'instant, donc, du coup, je reprends... On a fait le Real Madrid, qui est la meilleure équipe du jeu. Chelsea et Paris. Et donc prochainement, donc juste après Assassin's Creed, donc d'ici mercredi normalement. J'ai doublé l'autre, c'était gratuit. Est-ce qu'on peut changer? Non, on peut pas changer. Et du coup voilà. Et globalement, donc juste après Assassin's Creed, la prochaine équipe devrait être le Bayern, il me semble, si je me trompe pas. Donc ça serait plutôt pas mal. On n'a plus la carte, c'est normal. Ah, la voiture se... accélère tout seul, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était le bug, c'était magnifique. Garez-vous et prenez les voitures. Et bah parfait. Ok, bon, il faut les intimider, hein. C'est pas gagné. Ouais, il faut aller plus vite pour ça. Allez, accélère, Trevor. Très bien, si tu veux. Eh bien, je te suis, Trevor. On va voir si t'es aussi fou du volant que tu l'es dans ta tête. Hein. Allez. Un petit Trevor, tu pousses ton véhicule. Ouais. Donc, les mystères pour ceux qui demandaient, et ben, ça continue, hein. Il y en a encore un petit moment. Pour ceux qui pensaient que j'étais à court d'idées, pas du tout, il y a encore énormément de choses à parler. Je sais pas si je vais refaire une vidéo hypothèse, certains la voulaient. Donc si vous la voulez dans les commentaires, bah faites-le savoir, hein, c'est toujours sympa. Et puis comme je le dis, hein, vous pouvez avoir un impact sur les vidéos que je fais. Bon, vous êtes 17 000, donc généralement, s'il y en a une petite dizaine ou des choses comme ça qui le demandent, si je peux faire plaisir à certains, bon, c'est toujours ça. Enfin bon voilà, en gros l'émissaire continue et puis le GTA Online les remplaceront enfin très bientôt. Je pense que le GTA Online vous intéresse plus, enfin apparemment les vidéos de GTA Online sur YouTube font plus de vues. Donc ça a l'air d'intéresser une plus grande communauté, donc pourquoi pas. Ah bah oui, eh, voyons, volons, voilà, bien sûr. Voyons. Mais c'est le cas, tu as traversé la moitié de l'état. Allez, on les poursuit. J'ai pas l'air de ralentir, je sais plus ce qu'il... Ah oui, je me souviens d'où est-ce qu'on les arrêtait. Bon, c'est pas tout de suite encore. On reviendra. Arrêtez-vous sur le côté pendant une heure, on revient. C'était d'autres policiers en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? De ceux qui parlent. Ils s'arrêtent. En tout cas, on les a rejoints très nettement. Allez, arrêtez tout de suite. Donc là aussi, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Tu arrêtes tes bêtises tout de suite. Commence à m'énerver, là. Commence à bien faire, ces bêtises. Alors, voilà, normalement, c'est là qu'ils s'arrêtent. Alors. Voilà, ils s'arrêtent. Ça se gare automatiquement, c'est magnifique. Par contre, sur l'animation, c'est pas garé pareil. C'est un peu plus propre sur l'animation. Vas-y, tu lui emmènes, Hey! Tu lui
All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit, get the fuck out of here! God! Allez. La petite voiture orange, c'est parti. Quand faut conduire la voiture qu'on veut. Bon, écoute, hein, on va pas conduire Franklin, je pense. Ah, quoique, ouais, c'est vrai que... Pilotera. Prenez le contrôle du personnage qui pilotera pendant la course. Ah ouais, mais Franklin est meilleur pour les courses. On peut pas choisir encore. Je pense qu'on peut choisir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que du coup, je vous laisse... Après, je regarde pendant les montages. Mais on va bien comprendre un petit peu ce qui se passe pour savoir ce que je fais. Et vous m'aviez demandé de parler par-dessus. Donc, je vais le faire de toute façon. Ils sont loin derrière, hein, quand même. Ils sont pas très doués. Voilà, on a un petit paquet de route à faire. Ouais, c'est toujours plaisant, ces poteaux. Alors... Oh, j'ai pas vu la voiture. Regardez le texte et tout en même temps, c'est pas très facile. C'est compliqué. Ah! Attention! Bon, d'ici, ce qui me rattrape de toute façon. Puis de toute façon, c'est pas important. Donc voilà. Alors, pour ceux qui demandaient les après-midi abonnés, parce que du coup, vous êtes toujours en train de m'en dire les après-midi abonnés. Parce que vous l'aviez dit pendant la FAQ. Hein, puis de toute façon, c'est normal, hein, je vous l'ai promis. C'est normal que vous demandiez. Donc du coup, je vais la faire en or. Ah bah oui, alors on va avoir de l'argent. En attendant, donc voilà pour les après-midi abonnés éventuels ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être sympa. En tout cas, je pense en refaire, hein, je n'oublie pas le projet. Mais pendant les cours ou les machins comme ça, j'ai absolument pas le temps. Par exemple, là, j'ai une dissertation à faire pour ce week-end. Pour vous, normalement, je l'aurais déjà rendu la dissertation, hein, le temps que l'épisode revienne. Et toutes les semaines, j'ai un petit truc à faire comme ça, vous voyez. Donc c'est vrai que la première, c'est pas... C'est assez compliqué, hein, pour ceux qui sont passés par là ou qui sont en train de la passer. En tout cas en S. Et en L, je pense que c'est pareil. Donc voilà. Enfin, globalement, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et puis les trucs abonnés, ça sera plus un week-end à la limite où j'aurai rien à faire. Il sera assez rare. Ou alors, ça sera pendant les vacances, plutôt, je pense. En tout cas, ce qui paraît le plus normal. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire comment j'allais procéder. Le truc, c'est que je vais mettre une petite vidéo sur la chaîne d'une petite minute où je vais dire, par exemple, vous mettez votre Skype dans la description, je contacterai les premiers qui seront pris, à condition que vous ayez, par exemple, GTA avec le online, avec une assez bonne connexion, on va dire, pour qu'on puisse vous entendre, ou un bon micro, quelque chose comme ça, ou j'en sais rien. Et voilà, faut que ça soit potable, quand même, pas déconner. Enfin, bon, globalement, à peu près, ça, je vais tout switcher un peu plus. Ah mince, je vais devoir faire la course avec Michael. Oh là là, ça va être dur ça. Enfin bon, donc voilà, je vous laisse une petite vidéo, quelque chose comme ça. Donc soyez présents et foncez directement, hein, laissez un commentaire. Donc voilà, je lancerai après. Normalement, je fais ça la même journée. Hein. Ça sera... quand je laisse ça, ça va être une heure ou deux heures après, hein, qu'on va le faire seulement. Et donc voilà, on sera sur Skype, sur par exemple GTA, je sais pas, GTA Online sur PS3. Peut-être que la première après-midi sera sur PS3, les autres sur PS4. Enfin bon, globalement ça sera ça. Ah, hop, voilà. Désolé les Xbox, hein, tout simplement Xbox One, c'est nul. Vous pouvez pas vous défendre là-dessus, l'écart est creusé, mais très nettement. Autant sur PS3, Xbox 360, qu'il pouvait y avoir un débat, vu que là c'est plus possible. Donc voilà. Alors, on dépose les voitures. Allez, toujours aussi classe. Et donc voilà, vous auriez juste à vous inscrire très vite, hein, par contre. C'est écrit bizarrement dans le mur en bleu. Oh, hey, just kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look. You finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce.
He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life! It's just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Il remet sa cravate, du coup. Je suis un homme d'affaires, maintenant. Alors, est-ce qu'on réapparaît dans le garage? Parce que j'aurais 2-3 trucs à regarder. J'aurais 2-3 trucs à regarder. Ça. Oui, allez. Tant on a été long, hein, c'est vrai. Fraction de seconde. Eh bien, écoute. T'as qu'à nous dire qu'on est long aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Un titi, ça c'est les noms des voitures, on est d'accord. Ça, peut-être Devin Weston, j'en sais rien. Tillon Street. Need space for at least 5 cars. Deadline. Life in Vendor. Ok, mais pourquoi c'est écrit en bleu fluo comme ça? Ça paraît bizarre. On peut pas accéder à l'ordi. Ok. Là, j'ai vraiment 2-3 trucs à regarder dans cet endroit. Est-ce que si on emmène la... Bon. Est-ce qu'on a la Space Docker? Si on emmène la Space Docker ici. Moi aussi, je me mets à faire des trucs sur la Space Docker. Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit m'a l'air suspect, hein. C'est la couleur qui vraiment m'a semblé bizarre. Ah bon, voilà, et surtout il parlait de mystère lui-même dans son truc. On voit presque qu'il y a des journaux, comme ça au moins je regarde la vidéo, et si des screenshots ou des machins comme ça peuvent m'être envoyés de choses dont que j'aurais pu oublier ou des choses comme ça, ça serait intéressant. Enfin bon, globalement, c'est un garage, hein, d'accord, mais c'est ça. C'est ça franchement qui... Et bizarre. Bon, pas très important. À la limite, ce que je vais faire, regarde. C'est ici, hop, on marque l'endroit. Et j'y retournerai peut-être un autre jour, ou quelque chose, ou avec les 100%, ou la Space Docker, ou j'en sais rien. Je me débrouillerai pour ça. Enfin bon, je ferai le tour, hein, c'est pas le moment. Pendant la vidéo. Donc voilà, globalement, vous pouvez vous inscrire sur ce genre de petites vidéos dont je parlais avant l'animation. Qui seront postées aléatoirement, mais généralement pendant les vacances. Donc si vous êtes là pendant les vacances, soyez très présent pendant les vacances. Ça vous pouvez avoir la chance, si c'en est une en tout cas, de jouer avec moi. Donc voilà, ça peut faire plaisir à beaucoup, je pense, hein, de jouer avec moi. Et puis comme ça, on pourrait parler, que ce soit du mystère ou des délires online ou un truc comme ça, pour passer un bon moment. Voilà, c'est toujours plaisant. Globalement, c'est ça. Donc on va aller avec Franklin. Les 20 minutes approchent très nettement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à la prochaine mission. Je pense pas que ça va nous prendre 25 minutes à faire. Et puis voilà, hein, globalement, on va s'arrêter là. Je pense que ça suffira pour cet épisode. Je voulais un épisode un petit peu plus court parce qu'à chaque fois, je déborde sur 30 minutes. Mais voilà, quoi, c'est tout. Donc voilà, la vidéo, je voulais mettre ça au point aussi. Et puis on changera les voitures dès le prochain braquage, dès qu'on aura un max d'argent. Voilà, en plus des vitrines et des jantes viennent d'arriver. Enfin voilà, c'est tout ça. Alors, du coup, on va aller rapidement au plus près, et ça va être... non, assassinat de Lester, on n'a pas besoin de les faire. Écoute, on n'a plus rien à faire. Ah, si, je me doutais aussi. Devin Weston, puisqu'il vient de nous donner une petite mission. Donc on va s'y rendre, 3 km, bon allez. Dans 1 minute 30, c'est fait ça, hein. On va essayer d'aller vite. Écoutez, voilà, hein. Donc vous devez vous inscrire le plus tôt possible, hein, de toute façon les premiers seront choisis. Et généralement je pense que j'en choisis 4 ou 5,
globalement. Donc c'est pour ça, il faut vraiment être très rapide. Hein. Quand vous allez cliquer, je pense que ça. En tout cas, j'espère que l'engouement va être tel que il y aura certainement d'ici les 5 premières minutes, voilà, tout le monde sera inscrit hein, globalement. Ça sera ça. Mais bon, après, c'est des petites vidéos qui arriveront comme ça que je supprimerai au fur et à mesure. Que je vais pas laisser sur la chaîne parce que c'est juste des petites vidéos annonces. Comme quand je vais m'acheter un nouveau PC ou un truc comme ça, mais vraiment ça va être la machine de guerre. Je sais que si vous regardez ces vidéos, généralement la communauté sur GTA V est plus console, très largement. Parce que ceux sur PC ont abandonné l'affaire totalement. Et je vous comprends d'ailleurs, c'est vraiment crade d'avoir fait un jeu qui sort le 21 janvier. Voilà, sur PC ça aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Mais après c'est vrai que pour le mystère, les mods seraient sortis et pillés. Je pense qu'ils auraient pas vendu une next gen, puisque pour moi le jetpack est sur next gen. Je l'avais déjà dit déjà il y a plusieurs mois. Donc voilà, globalement c'est ça. Donc ça va être la machine de hier, et comme ça je vais pouvoir vous faire des lives sur Twitch que je mettrai. Et je passerai aussi des petites annonces. Bon, ça sera un petit comité, mais justement je préfère un petit comité puisque c'est plus sympa. Et voilà, ce sera des petites vidéos sur Minecraft, une aventure Minecraft, j'en sais rien du tout. Ou alors ce sera du World of Tank pour vous montrer un petit peu comment j'avance hors épisode. Ou alors ce sera, je sais pas, moi, ça dépend des jeux que je me serais payé sur PC, peut-être du Skyrim ou des choses comme ça. Enfin voilà, globalement ça va être à peu près ça. Hein, ou du Orc Must Die, enfin j'en sais rien. Ou des petits jeux indépendants sur Steam. Ça sera pour passer un bon moment, pour échanger, comme ça je lirai vos commentaires et j'y répondrai. Et puis ça peut être fun, enfin voilà, ça va être de l'humour. Hein. Et puis il y aura peut-être des invités ou des machins comme ça. Je vais éviter de lancer la mission tout de suite, parce que là j'étais parti pour. Donc voilà, la vidéo est terminée, laissez un like, un commentaire. Abonnez-vous, je sais qu'elle était beaucoup plus courte que d'habitude, même 5 minutes plus courte facile que... ou 6 ou 7 minutes plus courte que d'habitude. Mais enfin voilà, je voulais faire un petit épisode rapidement, bien sympa. Donc voilà, si vous a plu, laissez un like, c'est très important. Mettez dans les commentaires si vous a plu, si vous avez regardé jusqu'au bout. Et tout ce que je vous ai demandé pendant la vidéo, des questions que vous aurez posées, etc., parce que je ne me rappelle déjà plus, bah vous y répondez dans les commentaires, et ça me ferait un plaisir de voir que les gens regardent les vidéos jusqu'au bout. En tout cas, bah, tout simplement, on va dire à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.